Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Total War Warhammer 2, campagne légendaire avec Vladimir Van Kerstein et Isabella qui sont ici. On est au tour 35, on est pas mal. On est en train de commencer le recrutement d'une armée un peu plus correcte que ce dont on... Enfin, tout ce qu'on avait depuis le début de la partie, pardon. On va remonter, comme je l'ai dit, vers Eshen, Mordheim, ou... Enfin, j'hésitais entre les deux, hein, soit le Talabekland, soit aller directement sur l'Ostermark, sachant que l'Ostermark, le problème, c'est que Naganov est entre les mains du Kislev. Alors je me suis dit, bon, est-ce que c'est peut-être pas mieux d'aller chercher le Talabekland, sachant que le Talabekland est allié avec personne. Donc je me suis dit, bon, ça me permettrait de continuer mon assise sur le nord, mais ça ferait très loin pour passer du Château de Drakenhof si j'ai une armée ici, et défendre Talabheim qui va être à proximité de tout. Après, je me dis que Beschaffen, qui est la capitale de l'Ostermark, c'est pareil. Si jamais j'y vais là-dessus, l'avantage c'est que j'ai juste une ligne droite à faire pour passer de haut en bas. Mais bon, j'ai le Kislev qui est à côté, dont la capitale, et en plus j'ai Talabekland ici. Donc de toute façon, j'ai envie de vous dire que ça va pas être facile. Ça va pas être facile, il va falloir que je monte, je pense, directement sur Talabheim par contre. Avec notre Vlad qui est en train de se régène à 17 sur 20 tranquillement. Donc on va attendre que notre Isabella ait fini de recruter dans 3 tours. Et on va préparer l'invasion sur Talabheim. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un petit compte rendu. Donc le château Drakenhof, pour vous rappeler, on est niveau 3, on a une garnison correcte. Par contre à Eshen, on a la garnison aussi niveau 3, donc ça c'est bon. Par contre c'est Waldenhof, hein, Waldenhof qui est très très exposé. L'avantage c'est qu'avec eux on s'entend pas trop mal, même si c'est pas la joie non plus, on est à 13. On a un pacte de non-agression et on a un accord commercial. Donc ça c'est déjà une bonne chose avec les nains. Je comptais sur cette relation pour améliorer celle avec Zhuvbar, mais ça n'a pas l'air trop de s'améliorer. Donc le pacte d'agression avec Zhuvbar, il n'est pas pour tout de suite, et c'est pour ça que je voulais pas non plus trop délaisser cette zone-là, puisqu'elle est sous menace naine imminente, donc c'est un peu chaud. On a le Stirland. Le Stirland, donc on a Wurtbad qui est déjà quand même relativement bien garni. On est en train de stabiliser un peu l'ordre public. D'ailleurs, je l'avais dit qu'on resterait pour stabiliser un petit peu avant de lancer l'assaut sur X ou Y faction. On a un pacte d'agression avec les peaux vertes qui sont ici, les peaux vertes qui ont quand même pas mal de villes. Je me demande si on va pas aller leur raser Grenstadt ici. Puisque de toute façon, alors eux ils sont quand même potes avec Karakir, on va essayer d'éviter de se frotter contre des nains. Avec eux ça... Non, pardon, voilà, j'allais dire ça s'améliore, mais ça m'étonne. Ça m'étonnait. Ouais, non, avec les nains nous aiment pas de toute façon, donc pour l'instant, on peut pas faire grand chose, faut vraiment qu'on fortifie tout ça. Hein. Faut qu'on fortifie tout ça et qu'on fasse le nécessaire pour corrompre cette zone-là dans pas très longtemps. Et après, je pense qu'on partira ici. Je pense qu'on n'a pas de chance, parce qu'on a trois villes qui sont quand même relativement faciles à protéger. Et après, tant pis, Beschaffen attendra, quoi. Et on partira peut-être sur le Kislev. Mais j'ai peur pour le Talabekland. On passe le tour, et comme d'habitude, on se dit à tout de suite, hein, parce que les tours sont relativement longs en Mortal Empire, donc à tout de suite. Allez, c'est reparti avec ce nouveau tour. Donc, on va prendre... le coup de succès, donc ça on s'en fout un peu. On va rester là, de toute façon pour le moment, on est toujours à 17, on est toujours à 1268, et là de toute façon, prochain tour on va déjà prendre un petit coup économiquement, puisqu'on va avoir peut-être 800 en moins. On risque de passer en négatif, hein, avec cette armée-là. Donc il va falloir qu'on fasse le nécessaire. Alors ici je peux passer de 100 à 150, produire des bûches. Et ici, pareil, 100 à 150 et booster l'ordre public qui est quand même déjà boosté. Donc ça n'a pas trop d'importance. Ici, par contre, ce qui serait bien, c'est que au Mout, j'ai une garnison. Et eux, ça s'améliore, ouais, ça s'améliore quand même beaucoup. Après, ils sont en train de se faire... eux, je pense qu'ils vont se faire éclater par l'Empire. Hein. Peut-être pas trop face de trucs non plus, ils sont en guerre contre tout le monde. Après, je me demande si ça serait peut-être pas une bonne solution de leur sauter dessus. Hein. Après j'ai pris trop de malus diplôme, mais peut-être qu'au lieu de faire un pacte d'agression, j'aurais peut-être dû les attaquer. J'aurais récupéré... ouais, en plus ils sont toute la province du Wissenland. Après, ouais, ils ont quand même... ils ont deux armées pour l'instant, donc c'est pas fou.
C'est pas fou. Nous, on va essayer de. On va continuer. On va continuer. De toute façon, tant que c'est pas mes deux armées qui sont prêtes, on fera rien. On fera rien. La corruption augmente de toute façon de partout. Donc là, elle est à 100%. Omout, elle passe à 40 le prochain tour. L'ordre public est stable. Parce que j'ai Vlad à l'intérieur aussi. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour. Donc, on va perdre 1000 de thunes. Ou alors, on prend de la croissance et un malus d'ordre public. C'est pendant 4 tours. Je pense qu'on va plutôt prendre le malus d'ordre public pendant 4 tours, parce que pour l'instant, on est bloqué et les 1000, j'en ai avoir besoin. Donc, on va prendre ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi le mauvais? J'ai pas choisi le mauvais, dites-moi. Non, croissance, voilà, croissance plus 20. Ok, bon, on est toujours à plus 4 ici. Ici, on est à plus 2. Et ici, on est à plus 10. Donc, c'est parfait. Ah, il nous reste que 380 cases. On va passer à moins 200. Hein. À moins 200 le prochain tour. Va falloir qu'on fasse très vite, qu'on prenne des décisions très très vite. Et pour l'instant, j'ai dit que je restais ici pour stabiliser l'ordre public. Après, si je sors de la ville, ça se passe comment? Ouais, je passe à moins 4 direct, donc on va attendre encore un peu, hein, ma foi, j'ai pas trop le choix. Il y a des régiments de renom de dispo, mais pour l'instant, on n'a pas la thune pour. Est-ce que j'ai une techno pour réduire les... Non, j'ai rien pour réduire l'entretien. Relations diplomatiques avec toutes les factions, ça peut être bien. Je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Relations diplomatiques avec toutes les factions. Et là, malheureusement, on va garder notre thune. On va garder notre thune. Ah, ça va être dur, hein. Va falloir que... Le problème, ça va être l'ordre public, en fait. Après, je suis à moins 4 alors que je prends un bonus. Je vais laisser ce tour. Je suis à moins 4 sur la région du Mout alors que je suis en train de prendre un malus de moins 3. Donc théoriquement, je suis à moins 1. Donc moins 1, c'est jouable. Surtout que je dois avoir encore une pénalité de conquête. Donc éventuellement, je pourrais le prochain tour commencer à me rapprocher de l'Ostermark. Et prévoir mon invasion sur l'Ostermark avec deux armées. Façon, il va falloir une guerre. Hein. Il va me falloir une guerre. Le problème, c'est toujours pareil, c'est les nains. Ouais, t'as la Beckland, ils ont plus d'armées. On a bien vu qu'on les, on est bien meilleur qu'eux. Bon, pour l'instant, on est bien meilleur que tout le monde, ce qui est normal puisque... Ouais, on est quand même bien classé, hein. Quand je regarde les rangs de force tout en haut, il n'y en a pas qui sont plus forts que nous pour l'instant. Hein. Dans les factions connues en tout cas. Peut-être qu'il y a les nains, peut-être qu'il y a les elfes, les hauts elfes. Les elfes noirs aussi. Mais les factions principales, on les a pas découvertes. Et elles sont relativement loin de nous. Hormis l'Empire et les nains. Et les peaux vertes. Alors. Hop. Allez, on va avancer, on va se préparer à aller sur Mordheim. Ouais, on est à moins 5, hein, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud et on est à moins 168, donc ça va par contre. On va essayer de prendre directement et Mordheim et Eschen le prochain tour. Après, on va avoir. Donc, ce qui est bien, c'est que ça, il n'y a pas besoin d'y protéger. Ça aussi. Et il faut vraiment qu'on garde notre thune pour. Pour bâtiment d'ordre public. Et ça, c'en est en plus, un hein, bâtiment d'ordre public. Ouais. Et là, j'ai de l'ordre public. Non, j'ai de la croissance. Est-ce que. Non, j'ai pas d'ordre public. Si, j'ai l'ordre public plus 4. On va prendre l'ordre public plus 4 pour pouvoir partir tranquillement. Hein. Et on va garder notre thune. On va garder notre thune. On sait jamais ce que les nains peuvent faire ici. Ok. Et ben écoutez, on se retrouve tout de suite pour le prochain tour. Hein, tout de suite. Alors, la question pour ce nouveau tour, c'est est-ce qu'on prend de la corruption chaotique pour de la magie noire? Absolument pas. On va prendre de la corruption vampirique. On a largement de quoi faire, devoir tenir. Voilà, on est à 0 à Wurtbad, donc ça c'est parfait. Par contre, on va partir en malus tout de suite. Hein. Là, si je déclare une guerre, normalement, j'ai pas de pénalité j'aurais pas de pénalité, parce que du coup, ça fait plus de 10 tours que je leur ai fait un traité de paix, donc je pense qu'on va partir, les gars. Hein. On part sur Mordheim avec Vlad. La garnison à Mordheim, mais ouais, c'est deux petites garnisons. Allez, on est parti. Hein. Alors attendez, parce que du coup. Ouais, j'aurais pas la rendre ici. Donc on va quand même être intelligent. On va se mettre ici.
On va se mettre au cas où en mode embuscade. Pareil avec Vlad, on va s'avancer. Ok, nickel. Ou à la limite, je raid. Hein. On va raid. On va raid. On prend 160, c'est pas si mal. Pareil avec... Alors avec elle, peut-être que j'ai pas le... Ouais non, je pourrais pas raid avec elle. Donc avec Isabella, on est en... Ok, donc ça nous fait passer qu'à moins 8. Donc ça, c'est très bien. Toujours pas de construction. On passe le tour et on se prépare pour la guerre. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour. On est de retour. Alors, malheureusement, Urbad, moins 84 le prochain tour. Moins 82 le prochain tour, pardon. Puisqu'on a quitté la province, et j'avais pas vu. C'est vrai qu'on prend du moins 8 hein, quand Vlad est pas là. Donc c'est vrai que c'est une province qui reste encore largement à stabiliser. Donc on va pas pouvoir aller trop vite non plus. Attention aussi à la Verland, hein, qui peut nous déclarer la guerre pour aller prendre le Moot. Je sais pas si c'est une bonne idée de leur déclarer la guerre. Hein. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû raser la menace ici. Ah, surtout qu'il n'y a plus de nains là. Hein. Karakirn est ici. Ça peut être envisageable. Hein. Eux, ils sont potes avec qui? Ouais, ils sont juste en guerre avec eux pour l'instant. Parce que c'est ça le problème aussi. Hein, c'est que si on essaye de s'étendre trop vite, ça va être compliqué. Faut vraiment qu'on arrive à prendre Béchafed, en fait faut qu'on rush. Il faut qu'on rush Béchafed, faut qu'on arrive à prendre Eshen Mordain maintenant. Et après on monte à deux armées, on prend Béchafed d'un coup. Et on stabilise l'ordre public, on aura trois villes sur les quatre. Après il va falloir qu'on redescende sur Wurtbad. Il faudra qu'on... ça va être chaud hein. Mais de toute façon faut qu'on prenne une décision maintenant, on peut pas rester comme ça tout le temps. Donc la décision on la prend les gars. Allez, c'est parti. On la fait en auto. On la fait en auto et on va pied occupé. On va se faire pop des rébellions. Donc on a moins 43. Par contre on va réparer tout de suite. On va construire ça. Et ça c'est très bien. Ok. Là ce serait bien qu'on ait une rébellion tout de suite le prochain tour. Donc là on risque de la faire. Ok, bon on va la faire. On va la faire avec notre nouvelle armée. Ça sera la petite bataille de l'épisode. En tout cas, c'est fait. Hein. C'est fait, les gars. Oula, mais... Ah si, pardon. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi cet écran noir? Mais c'est bon, je suis bien sur le bon screen. Petite bataille qui va être sympa. On va voir cette armée d'Isabella. Hein. On va voir cette armée d'Isabella avec le nécro, avec la vampiresse. Alors... de toute façon on va avancer tranquillement, donc on va se faire une ligne tranquille, hop, hop, on va faire comme ça, quitte à mettre même eux à l'intérieur, eux ici, allez groupe 1, le groupe 1 sera ici, on va le verrouiller, notre cave, en groupe 2, on va lui demander de faire le tour, nos monstres qui seront derrière en groupe 3. Vous qui allez rester ici, vous allez rester là, toi là, toi là, et la petite charrette au milieu. La charrette qui a une aura normalement qui devrait bien faire le taf. Ok, on avance. Donc on va avancer tout ça déjà. Ok, et avec vous, on va passer là. Allez. Donc Isabella elle a pas grand chose. Pareil, donc vous allez venir ici. Est-ce qu'il y a de l'artillerie? Il n'y a pas l'air d'avoir d'artillerie. Il y a des guerriers arbalètes, c'est tout. Ou pareil les gars, soyez pas trop impatients, je veux dire. J'aurais peut-être dû tout sélectionner et verrouiller après derrière. Ah c'est vrai que notre nécro il est sur charrette aussi, alors on va peut-être plutôt envoyer la charrette de l'autre côté. Allez, faut y aller, la charrette, c'est parti. C'est vrai qu'on a la vampiresse ici qui peut être sympa. Isabella aussi. Allez. On vient ici. Et vous allez venir me péter ça pour l'instant. Allez, vous aussi. Donc j'en veux un sur celle-là, un sur celle-là. Un peu sur les bretteurs. On immobilise beaucoup d'anti-larges. On va se positionner comme ça.
Toi, tu vas rester tranquillement ici. Alors, donc on a le Fatalitas. Mais du coup, on l'a pas. Ah, si, on l'a en zone aussi, le Fatalitas. C'est parfait, ça. Toi, essaye de me faire ça là-dessus. Ok, ici, c'est bon. Tu vas rester là. Allez, vous allez venir ici. Par contre, on dégage tout de suite. On dégage tout de suite parce qu'il y a du lancier. Allez, on recule. Voilà. Et c'est les spectres qui vont y aller. Les spectres, vous allez me focus les armes à l'étrier d'abord, s'il vous plaît. Les lanciers, je veux dire. Allez, et là, on retourne dessus. Ok, parfait. Nickel, un petit Fatalitas, du coup. Ici. Pareil, toi là-dessus. On va s'amocher un peu, c'est pas grave. On va réduire l'attaque en mêlée du seigneur ennemi. La régénération, voilà, faut qu'on on arrive. On perd eux, c'est pas grave. Vous allez reculer, vous allez venir là-dessus. On va faire une petite régène de masse ici. Tu vas me faire pop du zombie ici. Et tu vas rester derrière. Voilà, comme ça on les bloque. Ok, notre cavalerie a fait le taf. On va leur demander de faire une petite charge par derrière. Alors plutôt ici. Eux ils sont rentrés dans la mêlée. Va falloir aller me péter ça. Surtout du côté du bretteur, même du lancier. Normalement le lancier vous devriez pouvoir vous en sortir sans problème. Vous, vous allez venir ici. Allez, petit zoom. Allez, les bretteurs, normalement, on devrait les éclater. Ok, nickel. Allez. Bon, c'est de l'arbre à l'étrier, c'est pas grave. Normalement, par derrière, on devrait quand même pouvoir faire une belle petite charge. Ils ont pas le bonus par derrière. Allez, nickel. On recule tout de suite, parce que du coup, s'ils se retournent, on va prendre cher. Et on va venir ici mettre une petite charge sur eux. Bon, vous allez retourner là-bas. On aura perdu nos lanciers, c'est pas grave. Bon, du coup, t'as toujours la régénération, toi, ici. Isabella, ça serait peut-être pas mal que tu viennes dans le tas. Hein. Un petit coup de boost sur les horreurs des cryptes. Vous allez venir là. Allez, sur l'arbre à l'étrier, ma petite Isabella. On va encore t'amocher un peu. Ça inflige des dégâts, c'est pas grave. Allez, c'est bien, on les prend par derrière avec les gardes des cryptes. Bon, notre cave pour l'instant qui fait le taf. Ok, elle a fait le taf de ce côté-là. On va aller l'envoyer assister celle-ci. Oh, on continue d'attaquer les gars là. Normalement nos spectres des cannes vont faire aussi du bon travail. Allez, essayez de foncer là-dessus. Et vous, essayez de charger là-dessus. On va debuff. Alors qu'est-ce qu'on va debuff qui nous embête un peu? On va debuff éventuellement les joueurs d'épée ici. Je pense que c'est assez important de les debuff. On va mettre les spectres des cannes dessus. Vous les ghouls, vous restez là-dessus. Allez, les guerriers arbalètes, on les a bien éclatés. Ici, la petite charge. Allez, nickel, on les avait mis en fuite. Donc on va venir ici, on va mettre une petite charge sur les bretteurs. Vous aussi. En fait, vous, ce que vous allez faire, vous allez me remettre une petite charge là. Bon, même si c'est du lancier, c'est pas grave. Il reste que ça, de toute façon. Vous allez aller sur les joueurs d'épée là, tout de suite. Nécro au milieu. Il me faut combien pour le niveau 2? Il me faut 15. Parce que j'ai des troupes qui sont vraiment mal au point. Pas trop. Ok, donc là, la cavalerie, elle a fait le taf.
On va les dégager. Foncez-moi dessus, d'ailleurs, là-dessus. Faut les faire partir en déroute totale. Allez, et vous, vous allez venir ici. Petit zoom sur les erreurs des cryptes. Donc les joueurs d'épée. Alors les spectres des cairns qui ont vraiment bien tanké. Hein. En même temps, c'est normal. Allez. Petite charge sur les bretteurs ici, les gars. Vous allez reculer, vous allez me faire une petite charge là. Et Isabella la vampiresse, go ici. Vampiresse, tu vas me faire ça ici. Bon, toi, vous allez revenir là-dessus. Allez, ça fuit en déroute. Ils ont bien tenu. Hein. Ils ont bien tenu. On aura perdu nos lanciers. Victoire de justesse, bon, je suis pas trop d'accord. Bon, bah, notre cavalerie, hein, les gars. Hein. Notre cavalerie qui a fait le plus gros du taf. Nos gardes des cryptes qui ont fait très bon taf. Les spectres des cairns. Qui ont tanké comme des porcs. Ouais, nos unités d'infanterie en général qui se sont bien débrouillées, hormis les unités très faibles, c'est normal. Même nos horreurs des cryptes se sont bien débrouillées. Et notre cave très très bien aussi. On aura perdu deux unités, c'est pas grave. Leurs joueurs d'épée, eux, qui ont fait très bon travail aussi, malheureusement, de leur côté. Et on va, bien entendu... alors, je pense qu'on va même... De toute façon, quoi qu'il arrive, le malus d'ordre public est le même, hein, instabilité de la province. Donc on va prendre une pénalité de conquête, on va prendre pillé occupé. Pillé occupé, ouais, on est qu'à moins 68 malheureusement. Alors ce qu'on va faire, c'est que, éventuellement, on va sortir. Moins 78, et là, moins 86, ouais, donc ça sert à rien. On se remet dedans. Ça va pas dans deux tours. Allez, Isabella, Horde Immortelle, toujours, la Vampiresse. Fatalitas, on a déjà la zone d'effet, donc niveau 3, on va éviter. On va prendre le dévoreur d'âme. Et Vlad qui a pris un niveau, qui est niveau 19, notre petit Vladou. On va lui prendre le sceau de la non-vie, enfin. Enfin, on l'a. Donc ici, on répare. Petit bâtiment de thunes et d'ordre public. Et petite garnison. Toujours pareil. On avance doucement. Et sûrement. Et on y va. Donc on fait pas plus une rébellion. Le but, c'est qu'on fasse pas plus une rébellion ici. On l'a fait. On monte tout de suite à Béchafen. Et on essaye de prendre la ville. Allez, à tout de suite. Allez, petit événement. Principaux des frontières qui ont été détruites au tour 41. C'est rapide. Hein. C'est très rapide dans la partie. Donc tant mieux. Nous on a dit, alors, on va sortir. Ah, on a peut-être la possibilité éventuellement d'avoir, de faire pop la rébellion que le prochain tour. Ce qui serait quand même, ah ouais, donc ça peut être bien. Ça peut être très bien. Après la question c'est, est-ce que j'ai la range pour y aller dès le prochain tour? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ici, éventuellement, on peut se mettre en mode embuscade, mais je pense pas que ça serve à quelque chose. On reste après ici. De toute façon, le but, c'est qu'elles sortent dès le prochain, sachant qu'ici, faut qu'on assiège avec eux. Ils ont le trait assiégeur, normalement. Ouais, assiégeur. Ok, il est là. Donc, faut qu'on attaque avec Isabella. Et éventuellement, donc, on a de quoi recruter un cavalier de plus. Alors, le cavalier pour les attaques de siège, c'est pas le meilleur. Éventuellement des ghouls des cryptes, pourquoi pas. Ça nous fait deux ghouls pour les attaques en mêlée empoisonnées. On le fera le prochain, de toute façon on le fera au début du prochain tour. Attention à Wurtbad, Wurtbad pour l'instant ça tient aussi. Tout tient, on est à 1900. Donc on va garder notre thune. Et là va falloir prier pour... Alors je pense que pour être sûr, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ici. De toute façon on réduit et avec elle éventuellement on ira en mode marche. Quoique, en fait, on va même aller faire comme ça. Hop. Voilà, comme ça, on est presque sûr de le faire. Allez, à tout de suite pour la bataille de Béchafen. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va être le moment. Et bien entendu, comme on est très intelligent, on a fait le déplacement qu'il fallait surtout pas faire. On est très intelligent, on le sait. On va se mettre à 50%. Donc ici, parce qu'on peut pas traverser la forêt.
On va se mettre en mode raid. Pareil avec notre Vladimir. On se met à 50. Et on se met en mode raid. Ok. Donc toi t'as pris un niveau, je peux te mettre sur un... Ouais, je peux te mettre là-dessus, ça peut être pas mal. Après je peux te passer ça, je peux plutôt te passer ça pour l'instant, on va te laisser à patte. Surtout qu'on va avoir besoin de toi pour la bataille de siège si besoin. Toi résurrection niveau 3. Donc là ça va faire mal, ouais bah en fait là on va avoir la rébellion, je peux pas. Ah quoique, si... ouais je pense que c'est mort mais... Je pense que c'est mort, on est à moins 20. On a à moins 20, mais on a une petite garnison. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va revenir ici. On va revenir ici, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, les gars. On ira attaquer qu'avec Isabella, du coup. On ira attaquer qu'avec Isabella, si tant soit peu qu'on ait la range. Par contre, Béchafen, ouais, ça a l'air d'être pas énormément bien gardé, donc éventuellement on aura de quoi faire. Allez, et ben, rebelote pour le prochain tour. A tout de suite. Et ben, on a toujours pas la range, on va pas y arriver. On va pas y arriver, c'est pas grave. Ah si, j'ai la range, c'est parce que j'étais en mode raid. Du coup, qu'est-ce qu'on va se prendre pour toi? On va se prendre, je pense, l'aura de suprématie pour booster le commandement avant la bataille. Et allez, on est parti. On est parti, on assiège. Et normalement, si tout va bien, on devrait prendre Béchafen, ça veut dire que je vais pouvoir rapatrier Vlad ailleurs. Et notamment sur Urdbad. Parce qu'on en aura bien bien besoin. Normalement, ça devrait quand même bien se passer. Bon, de toute façon, là, chose qu'on a à faire, c'est les groupes 1. Tout au long de la ligne. On verrouille. Le groupe 2, ça sera sur les portes. La cave, ce sera caché si on peut. On pourra pas. Quoique, si on peut. Voilà, ça sera caché. Toi, ce sera bien devant aussi. Et vous trois, ici aussi. Donc en fait, on va faire un groupe comme ça, groupe 2. On est à 19, c'est bon. Allez, go, hop, groupe 1. On y va. Et on accélère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même préparer la cave. On va la foutre ici, la cave. Hop. Voilà, comme ça on commence à taper les portes. Voilà, ça va aller vite. Allez, on est parti. Les portes sont ouvertes, alors on va repasser en mode normal. Du coup, groupe 2. Ah bah, en fait, groupe 2, on avance. Il n'y a pas grand chose à faire. On va envoyer la cave éventuellement prendre les points là-bas. Groupe 2, vous allez sur les joueurs d'épée. Allez, petit debuff d'armure ici. Ça, on debuff. Allez, on continue. Là on attaque aussi. On va se faire un petit debuff après avec notre magie. Dès qu'on aura. Allez les gars, venez ici. De toute façon, vous avez rien d'autre à faire de plus. Allez, on débuffe lui. Isabella, on va là-dessus. Bon, oh, il devrait fondre en lui. Hein.
La cave, quand je vous dis de vous barrez ou quoi? Voilà. Oh, il résiste hein, quand même. Bon, après, c'est pas la meilleure des. C'est pas la meilleure des 1v1. Alors, ici, on va debuff ça. Normalement, devrait y avoir. Voilà. Plus de facilité. Vous, vous allez venir les prendre par derrière. Donc, ça, on va régène pour pouvoir faire une. Alors, c'est pas elle, c'est lui qui a la. Il n'y a pas trop besoin, éventuellement ici. Ici, mais du coup je peux pas la faire, parce que c'est vrai que ça marche pas sur les murailles. Allez, go. Donc on va garder pour le debuff. Hein. Allez, on continue à buter. Ouais, ça c'est vraiment un sort complètement pété. Hein. Allez, go, vous foncez là-dedans. La cavalerie. Elle est où encore cette cavalerie? Mais c'est incroyable! On aurait déjà pris le point de victoire tout à l'heure. Allez, deux secondes. Ok, on en a plus besoin ici maintenant. Si on arrive à être intelligent, voilà, ça prendra tout ça en place. Voilà, nickel. Lui, il est très bien placé. Allez, on continue. Vampires, tu continues aussi. Allez, booste-moi là. L'attaque en mêlée d'elle. Petit zoom. Là, vous imaginez, vous avez tout ça de mort à combattre. De l'autre côté, vous avez la même chose. Regardez-moi comme ils sont beaux. Allez, on l'a buté, on passe sur le capitaine. Et on prend un coup au moral. On débuff le capitaine. On va régénérer notre chariot. Avant qu'il meure. On va le dégager d'ailleurs. Faut pas qu'on le perde. Allez, allez. Dégage d'ici. Vous, vous allez éviter que eux reviennent. Ok, c'est en train de partir. Notre cave, elle est arrivée. Enfin, en tout cas, une des deux. Parce que j'ai l'impression que l'autre est toujours sur place. En plus, aux prises avec de l'albardier. Superbe. Ok, on a réussi à chauffer notre chariot. Notre chariot qui va rester ici. Dégagé. Par contre, vous, ce qui serait bien, c'est que. Toi, ce qui serait bien, c'est que tu pètes le capitaine et la vampiresse aussi, quand même. Hein. On accélère parce que c'est relativement gagné, mais. Bon. C'est un peu laborieux cette bataille. Un peu laborieux, mais victoire décisive. Gros travail de notre infanterie, c'est normal. Notre vampiresse qui a bien taffé. Hein. Et donc on va pouvoir prendre enfin cette ville de Bechaven et avoir la rébellion qui pop du coup dans la capitale. Là où Isabella sera réceptionnée pour l'atteindre, puisqu'on va encore piller et occuper. Mais bon, faudra peut-être qu'on prévoie de s'étendre un petit peu à un moment. Alors là, pour l'instant, on va pas s'étendre avant un peu de temps. Voilà, on va piller, occuper. Parce que mettre à sac, ça ne servira pas à grand-chose. Déjà, ça nous fera 8000 de thunes ici. L'herbe de Bré arrive, ok, ça c'est bon. Vlad, 4 réussis, capturer la colonie Bechaven, donc ça c'est parfait, 1500 de thunes. Remporter une bataille contre les provinces de l'Empire. Et voilà, rébellion en Ostermark, rébellion en Stirland. Donc c'est très très bien que ça pop maintenant. Donc là on est tranquille, on va réparer ça, on va faire tout de suite une garnison, ça on va y dégager, je pense qu'on va pas faire une province de recrutement juste là, là non plus, on va faire plutôt une province éco. Éventuellement celui-là je vais le laisser, puisque je peux recruter, je vais pas le laisser en fait, je peux recruter rien que dalle, et avec lui je peux recruter de la cave, ouais, non, on va dégager ces bâtiments. On va dégager ces bâtiments, on va améliorer ça pour l'ordre public, il nous reste 5000 de thunes. Donc,
Vlad, alors, moins 6, donc du coup, moins 6, tu vas rester ici. Il va falloir la faire pop. Et Urbad, on va la passer niveau 3. En fait, il n'y aura peut-être même pas besoin de la faire passer parce que du coup, je suis en train de me dire, si elle pop, va falloir qu'on y aille vite. Ouais, on va rester comme ça, plus 1. Tu vas te mettre ici. Normalement, comme on a bien géré, là, normalement, Isabella va rester là un peu de temps, le temps de corrompre toute cette province. Après, normalement, il ne devrait pas tenir Naganov. Naganov, elle n'est pas protégée. La corruption vampirique, théoriquement, devrait faire pop une rébellion qui devrait normalement raser la ville de Naganov. Si c'est le cas, on la reprend. Urdbad va être stabilisé par Vladimir pendant quelques tours. Et ici, le but, ça va être de fortifier donc Valdenov. Mais on a de quoi résister à un assaut des nains en attendant l'arrivée de nos deux armées au château Rakenhof, ça c'est sûr. Ashwarzhafen éventuellement contre eux, mais le but ça va être de sécuriser aussi le Mout, hein, très rapidement. Je pense qu'on peut en rester là. Les nains ont confédéré avec Barakvar aussi. Petit point diplo rapide. On commerce toujours avec Karak-Kadrim. Par contre, ça baisse, donc faut s'attendre à ce que ça s'arrête dans pas longtemps. Et puis après, personne nous aime. Personne nous aime, mais on a l'habitude. Mais bon, je pense qu'on s'est pas trop mal étendu, on a fait le bon choix stratégique d'aller chercher ça. On l'a fait assez, on l'a fait enfin, relativement vite aussi. Donc petite rébellion le prochain tour. Naganov, en espérant que donc du coup la ville subisse une rébellion, pardon, mais j'ai peur que ça mette du temps. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur l'épisode, hein, si vous avez apprécié. Un petit like toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Vous avez vu que depuis peu, les lives ont commencé sur la chaîne. Donc il y a eu du Civilization, il y a eu de la campagne avec Grimgor en live. Et les let's play d'HOI 4 aussi ont commencé. Donc on se diversifie un petit peu. On reste sur la thématique jeu de stratégie, bien entendu. Voire jeu de grande stratégie avec HOI4, moins de côté bataille, avec HOI4 et Civilization. On va se concentrer sur ces trois jeux pour le moment, et puis, bah, ma foi, on a déjà de quoi faire, hein. HOI4, Civilization et Warhammer, jusqu'à novembre, où novembre, il y aura peut-être une sortie. On va changer aussi un peu la thématique de la chaîne. On restera de toute façon toujours orienté très Warhammer, hein, ça, il n'y a pas de souci. Toujours très jeu de stratégie, ça sera que du jeu de gestion stratégie. Voilà, je vous en dis pas plus pour novembre, mais on va partir sur du jeu de gestion aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser, comme je vous ai dit, un petit commentaire en ce sens. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le let's play vous plaît pour le moment et qu'il vous plaira par la suite. Portez-vous bien et on se dit à très très bientôt pour la suite des aventures de Vladimir. Allez, à bientôt.